Coucou, moi c'est Marion de Green Martha. Sur ma chaîne, on parle couture, créativité et corset. Aujourd'hui, je fais une vidéo un petit peu particulière que j'avais envie de faire depuis un petit moment. Je vais dessiner le portrait de Shasta de la chaîne Sci-Fi Cheer Girl. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos en collaboration orchestrée par Yuli de la chaîne Just Yuli. Je vous mettrai tout ça en lien, bien entendu. J'ai toujours aimé dessiner, ça a toujours fait plus ou moins partie de ma vie. Cette collaboration me permet de lier mon amour du dessin et celui du costume, vu que je vais donc faire le portrait de plusieurs personnes en costume. Pour Shasta, j'ai travaillé d'après une photo de son flux Instagram où elle est encore à baleine 18e avec des paniers. J'ai commencé par faire des petits croquis sur un carnet en Bristol pour trouver les bonnes proportions et l'expression juste pour le visage. Le portrait, c'est encore quelque chose que je travaille, avec quoi je suis pas super à l'aise, j'apprends quand même beaucoup dessus. Donc j'ai préféré faire des petits croquis préparatoires avant de passer à mon carnet de papier aquarelle. J'ai commencé ce portrait dehors. On s'était posé dans un parc avec le reste de la famille et pendant que les autres grimpaient sur des cailloux, moi je suis restée près du plancher des vaches, juste à dessiner et à profiter de l'ombre des arbres. Je commence toujours par le visage et notamment les yeux. Je trouve que c'est vraiment avec ça qu'on fixe l'expression et l'individualité d'un visage. Après, le corps, c'est quelque chose que j'arrive à adapter plus facilement. Je sais pas pourquoi exactement. Il y a des gens qui travaillent différemment en construisant un peu plus le croquis. Moi, je vais placer les éléments les uns après les autres. Quand j'ai commencé à dessiner, j'avais cette idée que je devais savoir tout dessiner de tête et que c'était tricher de prendre un modèle. Mais en fait, personne ne peut savoir tout dessiner de tête dès la première fois. On a toujours besoin d'un modèle au début, par exemple, pour savoir comment la chemise va se placer sur le bras, sur l'épaule, sur le coude, les plis du tissu. Il faut les observer avant de pouvoir les dessiner. J'ai beaucoup apprécié regarder les vidéos des autres personnes qui ont participé à cette collaboration parce qu'on voit vraiment des façons très différentes de travailler et de dessiner. Je vais vouloir me débarrasser de mon croquis au crayon, donc je garde uniquement les lignes qui me semblent le plus justes que je repasse avec un fineliner. Comme pour mon bullet journal, je suis avec mon fineliner Faber-Castell. C'est de l'encre de Chine, c'est fait pour durer, ça résiste à l'eau, donc je peux faire de l'aquarelle par-dessus. J'étais très branchée BD dans mon adolescence, je pense que c'est ça qui m'a laissé cette habitude de faire l'ancrage en noir avant de passer à la couleur. Alors là, j'ai eu un petit souci d'enregistrement et il me manque le début de ma mise en couleur.
Il y aura d'autres vidéos, Draw With Me, de portraits après, donc vous verrez un petit peu plus cette partie de mon travail dans les vidéos suivantes par contre. Au niveau du matériel, je travaille avec une boîte d'aquarelle relativement pas chère. J'en ai une de meilleure qualité, mais où je trouve que j'ai pas tout à fait cette couleur pour faire toutes les couleurs que je veux. Et pour les pinceaux, depuis que j'ai découvert les feutres pinceaux avec réservoir, je travaille quasiment plus qu'avec ça parce que je trouve ça juste tellement, tellement pratique. Pour le portrait de Shasta, j'ai essayé de limiter un petit peu ma palette. Je suis partie sur des violets principalement et un petit peu de brun et un peu de jaune que vous verrez un petit peu plus tard. Je pense que j'ai quand même utilisé un petit peu trop de couleurs et j'ai un effet un petit peu gris, notamment au niveau de la peau. Ça s'arrange après. Comme c'est de l'aquarelle, je travaille en rajoutant petit à petit les petites touches, en fonçant les zones petit à petit. Je me sers de la page de gauche de mon carnet comme d'une palette de test pour vérifier si la teinte est bien et ce qu'elle va donner quand je l'applique par-dessus une autre. Je ne suis pas restée sur des couleurs réalistes. Du coup, j'ai fait les cheveux violet pétard. Ils ne sont pas du tout comme ça sur la photo, hein. J'ai essayé de rester fidèle aux valeurs plus qu'à la couleur elle-même. Comme le jaune et le violet sont des teintes complémentaires, je peux venir foncer un petit peu mon violet avec du jaune. Après l'aquarelle, je rajoute souvent des détails au crayon de couleur. Là, je me suis autorisée une teinte un petit peu plus rouge pour donner un petit peu plus de peps à l'illustration. Je me trouve finalement pas mal à mélanger les techniques, alors que c'était pas forcément prévu à l'origine. Et je finis en rehaussant un petit peu de blanc certaines zones pour mettre des reflets, un petit peu de relief sur les choses qui brillent et pour isoler le premier plan du second et ainsi de suite. Alors en accéléré et puis avec le montage, c'est sûr que ça va beaucoup plus vite que le temps que ça m'a pris en vrai pour le dessiner. J'ai deux autres vidéos qui vont sortir très rapidement pour cette collaboration. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire maintenant. Vous pouvez même éventuellement utiliser la cloche si vous ne voulez surtout pas les louper. Et puis donc je vous dis à très très bientôt. Oh non.